Adimala. Very well done. I would now invite the members of the closing plenary to please come on stage. We've come to our closing plenary. The goal is to bring together the symposium's varied sessions into an evolutionary approach to aviation security. To moderate this final session, we bring back Monsieur Sylvain Lefoyer from ICAO. Sylvain will also be providing the closing remarks on behalf of the President of the Council, who could not unfortunately be here with us today. But he does send his best regards and his deep appreciation for your presence at the symposium. Sylvain, it's all yours. Et voilà. Merci. Merci. Vous pouvez mettre vos oreillettes, je vais parler français. Bien, donc nous y voilà, c'est la plénière de clôture de ce symposium AFSEC 2017. Vous avez eu l'occasion pendant la journée pré-symposium de participer éventuellement à un certain nombre d'exercices et de groupes de travail, d'ateliers. Ensuite, pendant les trois jours qui ont suivi, donc mardi, mercredi et aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de voir un certain nombre de présentations, d'échanges, de démonstrations, d'exercices. Ça a été très varié, très vivant. La salle a beaucoup participé. Je dois dire que j'en profite pour féliciter mon équipe qui a organisé ce symposium. Je le fais d'autant plus facilement que je n'étais pas là quand ça a commencé, donc je ne peux en tirer aucune gloire personnelle. Donc tout le mérite va à mon équipe. Et je tiens à les remercier au nom de vous tous, puisque j'ai déjà eu pas mal de retours sur le symposium, son organisation, les thèmes abordés et le dynamisme des échanges. Donc merci à eux tous de ma part et de votre part. C'est une séance de clôture, mais je voudrais plutôt voir ça comme une séance d'ouverture vers la suite. On a effectivement fait un certain nombre de choses. Je ne vais pas les répéter. Vous étiez là, vous avez entendu. Moi, j'étais un peu occupé dans des réunions bilatérales pendant que les choses se passaient ici. Donc, je serais mal placé pour faire un feedback, un retour rapide sur ce qui s'est passé. Nous allons mettre sur le site internet toutes les présentations dont on peut disposer, un certain nombre d'éléments, des photos évidemment, et les échanges qui se sont déroulés sur le réseau social avec l'application que vous avez eu l'occasion de télécharger, d'utiliser pour faire vos commentaires, poser vos questions, voter sur un certain nombre de sujets.
Et l'idée, c'est que ce mouvement se perpétue, se continue, avec en point d'orgue l'événement de AFSEC 2018, dont je ne sais pas si on voit les dates, non, pas encore, c'est moi qu'on voit. Donc, bon, vous verrez plus tard, on affichera à la fin le calendrier probable de cet événement en 2018. Il faut encore qu'on solidifie les dates. L'idée de cette séance de clôture, c'est d'échanger avec les honorables panélistes qui me font l'honneur de partager cette clôture, d'avoir l'expression d'un élément fort qui a retenu leur attention, qui les a marqués pendant ces quelques moments qu'on a passés ensemble, une chose avec laquelle vous repartez chez vous, dans votre administration, dans votre entreprise, et qui vous fait penser que vous avez bénéficié de quelque chose pendant ces quelques jours. Et le deuxième sujet, ce serait qu'est-ce que vous attendez pour la suite, qu'est-ce qui vous a manqué pendant ces 3 jours, ou qu'est-ce que vous espérez trouver comme développement, comme innovation, comme nouvel élément de discussion pour l'année qui vient et pour le symposium de 2018. Donc, nous sommes déjà un peu en retard par rapport au planning, donc je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à mes copanélistes. Donc, j'ai avec moi Monsieur Philippe Berthoux, ambassadeur de France, représentant permanent de la France au Conseil de l'OACI, et président du Comité des interventions illicites. Monsieur Victor Bazarguin, directeur de l'autorité fédérale de surveillance des transports de la Fédération de Russie. Nina Brooks, responsable de la sûreté à Airport Council International World. Ça sonne mieux en anglais. Mohamed Khalifa Rama, mon collègue directeur régional du bureau du Caire de l'OACI. Et Dominique Antonini, responsable de la sûreté au sein de IATA, l'Association internationale des transporteurs aériens. Voilà. Donc je vais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous et merci beaucoup Sylvain. Alors je vais commencer en remerciant les organisateurs pour ce symposium qui était en fait une première pour l'OACI dans son ambition, dans sa participation, dans l'ampleur des thèmes qui ont été traités. Et donc mes félicitations, et je pense au nom de tout le monde, à toi-même et à toute ton équipe pour cette organisation impeccable. Je crois que le fait qu'on tienne ce symposium, c'est aussi le reflet d'une évolution au sein de l'OACI, dans notre organisation, sur ce sujet. Et le GACEP est un témoignage de ce changement. La sûreté a toujours été présente dans les travaux de l'OACI, mais historiquement. Mais avec ce document, elle a maintenant une portée beaucoup plus large, une portée égale aux enjeux de sécurité ou de navigation aérienne qui sont les sujets habituellement les plus traités dans cette organisation. Donc c'est beaucoup plus qu'un symbole. On a beaucoup dit que la culture de la sûreté avait évolué, devait évoluer, mais c'est aussi la culture de l'OACI qui évolue en même temps, et ça c'est très très positif. La première leçon que je tire de ce symposium, c'est celle d'une grande mobilisation, et la participation active dans les travaux en témoigne. Il faut que cette mobilisation se poursuive, et donc c'est très bien d'avoir d'ores et déjà programmé une échéance l'année prochaine qui nous fixe un rendez-vous. Ce qui a bien fonctionné, je trouve, dans ce symposium, c'est la richesse de la confrontation des idées sur tous ces sujets qui sont actuels, importants, même vitaux. L'utilisation des sondages à travers l'application a aussi été très, très intéressante, je trouve, et a permis beaucoup d'interactions avec la salle. Le fait d'avoir une interprétation a aussi beaucoup compté. Je pense que ça permet aussi à chacun de profiter de la richesse des débats dans toute leur finesse linguistique. Et donc je voudrais aussi remercier les interprètes pour leur travail. Alors, c'est difficile de ne tirer qu'un enseignement, car c'était très riche. Alors, j'en ai quelques-uns quand même. D'abord, un constat que nous pouvons faire à l'issue de ce symposium, c'est que nous sommes interdépendants face aux menaces qui sont mobiles, qui sont évolutives et qui sont globales.
Deuxièmement, que la coopération internationale dans ce contexte est une nécessité absolue, avec bien sûr un rôle central pour l'OACI. L'importance d'avoir un cap, une feuille de route, donc là nous l'avons grâce au CACEP. Et le CACEP, c'est autant une bible, c'est-à-dire un texte de référence, qu'un menu et un plan de travail. C'est un texte qui est conçu pour être évolutif et orienté vers l'action, parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement des références normatives, mais c'est des résultats de sécurité pour nos concitoyens et pour tous les voyageurs. Donc nous recherchons des résultats avec le CACEP et il faudra aussi trouver les moyens de les mesurer. Ensuite, l'approche systémique. Le fait de travailler en système a été aussi très souvent mentionné, c'est très important. Il faut arriver à bien connecter le CACEP, les audits, la coopération technique. Tout ça, c'est interdépendant parce que les ressources sont précieuses et rares et donc il faut vraiment les employer au meilleur escient. Avec toujours le souci, bien sûr, d'une adaptation locale. Il faut des textes de référence, mais il faut aussi garder un minimum de finesse pour ne pas plaquer des solutions et qu'elles soient toujours adaptées au contexte local. Puis le dernier enseignement, c'est l'importance de la mobilisation politique. Elle s'est manifestée pendant la 39e assemblée de l'organisation de l'année dernière, qui a conduit justement au GACEP. Elle s'est manifestée à peu près à la même époque au Conseil de sécurité avec l'adoption de la résolution 2309. C'est très important. Et donc, il faut maintenir cette dynamique. Et donc, la réunion de l'année prochaine jouera son rôle à cet égard. Alors, quelques suggestions peut-être pour aller plus loin, pour améliorer encore plus cette édition qui est d'ores et déjà une réussite. La première, c'est peut-être une piste, c'est de savoir quel est le rapport que l'on doit faire entre échange sur les idées et échange sur les bonnes pratiques. Peut-être que la prochaine fois, on peut faire un petit peu plus d'échanges sur les bonnes pratiques, avec des cas concrets nationaux, tout en veillant à ce qu'on n'ait pas un catalogue de pratiques non plus. Donc il y a peut-être aussi un autre équilibre à trouver. Peut-être aussi que, et là je prêche pour ma paroisse, hein, ou contre ma paroisse plus précisément, qu'on aurait intérêt peut-être à entendre un peu plus de voix et d'expériences de pays ou de régions autres que les régions nord-américaines ou européennes. Pour les thèmes de l'année prochaine, je pense que c'est une évidence qu'il faudra relier bien ce symposium avec la mise en œuvre du GACEP, ce qui sera en cours. Et là, le choix que nous devrons faire, c'est de savoir s'il faut couvrir toutes les priorités, les cinq, en tout cas grandes priorités, ou seulement une partie d'entre elles. Et je pense qu'il sera aussi intéressant d'articuler ce symposium, le prochain, avec les retours d'expérience régionales, puisque le GACEP aura engagé aussi son processus de concertation et de concertation régionale. Donc on pourra croiser les visions thématiques et les visions géographiques. Et enfin, s'agissant des thèmes, peut-être qu'on pourra aussi mettre encore plus l'avantage sur les questions de facteurs humains, de formation, sur les questions des systèmes de contrôle et les cultures de contrôle et leurs différences, et peut-être aussi sur les questions d'organisation et de gouvernance de la sûreté qui sont extrêmement importantes. En tout cas, à titre personnel, moi j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à suivre les travaux. Toutes ces idées qui ont été échangées me seront très très utiles dans le cadre des travaux du comité de l'intervention illicite du Conseil qui va reprendre ce travail très prochainement. Et je vous remercie de votre attention et merci encore aux organisateurs. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я тоже от всей души благодарю организаторов, участников симпозиума по авиационной безопасности. Для меня это был первый визит в ИКАО, и вообще я не так давно знаком с этой работой, чуть больше нескольких, там, трех месяцев. И поэтому все, что касается тем, которые здесь звучали, я откровенно скажу, что это для меня
урок, это для меня, собственно, руководство к действию. Это та программа, которую, я считаю, в ближайшее время будет реализовывать Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Российской Федерации. Террористические акты на транспорте, совершенные за последнее время, рост актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, тяжесть их последствий для жизни и здоровья граждан резко повысила роль и значимость сегодня государственного надзора за обеспечением авиационной безопасности. В России надзор на транспорте осуществляется независимым органом, это Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, созданной указом президента и уполномоченной правительством. Полагаем, что в современных условиях на первое место выходит человеческий фактор, именно как эффективность работы инспекторов всех уровней, от федерального государственного инспектора до инспектора по досмотру в аэропорту. И буквально каждое выступление было насыщено здесь этими темами. И я думаю, что сегодня это станет достоянием каждого инспектора государственного и тех, кто проводит досмотр на рабочей площадке. Учитывая быстро меняющийся характер угроз в сфере авиационной безопасности, а также необходимость более оперативного внедрения в национальную практику передовых методов и технологий обеспечения авиационной безопасности, в России принята приоритетная программа по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности в сфере транспорта, которая рассчитана на период до 2025 года. Программа сформирована с учетом резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2309 и в соответствии с руководящими документами ИКАО и проектом глобального плана по авиационной безопасности. Акцент в программе делается на развитие внедрения системы регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики государственных инспекторов, как профилактические меры от возможных нарушений требований безопасности. Особые инновации были приняты в России при проведении прошедшего недавно Кубка Конфедерации по футболу в этом году и будут приняты при проведении Чемпионата мира по футболу в России 2018 года. За несколько месяцев до открытия соревнований нами будут проведены комплексные внеплановые проверки федеральными государственными инспекторами на соответствие требованиям безопасности всех транспортных объектов, аэропортов и авиакомпаний, задействованных в перевозках футбольных болельщиков и команд. Ведется непрерывный дистанционный мониторинг. Полагаем необходимым продолжить активное сотрудничество под флагом ИКАО и регулярно проводить международные встречи по обмену практическим опытом наиболее передовых и результативных решений в области авиационной безопасности и государствах-членах ИКАО. Анализ наилучших примеров может послужить основой для внесения соответствующих дополнений в стандарты ИКАО, и над этим мы будем работать, универсальную программу проверок и инструктивный материал по авиационной безопасности. ИКАО всегда может рассчитывать на поддержку России в деле обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в международной гражданской авиации. Здесь очень много звучало по взаимодействию. Я считаю, что это главный урок, который я вынес из этой сессии. Я думаю, что не может быть обеспечена стопроцентная безопасность в возможностях изоляции стран от совместной работы. Я считаю, что мы должны обеспечивать нашу безопасность участием всех государств. Я хотел бы пожелать всем участникам удачной, благополучной работы. Желаю безопасного возвращения домой. Мы буквально сейчас, делегация, через полчаса вылетаем в Россию. И чтобы все ваши авиационные путешествия всегда
проходили в соответствии со стандартами ИКАО. Благополучия вам и удачи. Мы всегда будем рассчитывать на совместную работу с ИКАО. Спасибо. Thank you very much. First of all, I'd like to thank ICAO for organizing the conference, and it's been a great experience for ACI working with ICAO on this. So we've really had a lot of fun. We've had a little bit of stress, but I think we've ended up with a good conference at the end of the day. So thank you to ICAO, and thank you so much to the speakers and the participants as well. We really appreciate the work that you've put into it, and you're really what makes it happen. It's very hard for me, I think, to pick one outcome that I think is my top takeaway. We've covered such a wide variety of topics. But something that really resonated with me was that we talked about people, we talked about technology, and that they play an equally important role in the security system. On the one side, we discussed security culture, behavior detection. On the other hand, we heard about some interesting innovations and some upcoming opportunities for checkpoints on the land side and on the air side. And we've also talked about how we get there, audit, quality control, capacity building. We've reinforced the challenges that we continue to face from having sufficient resources, a well-trained, well-respected and rewarded workforce, through to the investment needed in technology. So the main takeaway for me from all of that is that we need to continue to invest in both people and technology, and that we need to work closer together and in a more coordinated way to benefit from each other's experience and stay ahead of the threat. In terms of the next symposium or where we go from here, I'll be brief because actually my comments almost exactly echo Ambassador Berthoud's comments. I think case studies for me were very interesting, and it would be really nice to have some really solid examples of sort of best of breed or best practices. Some of the topics might be risk assessment, quality control, information sharing, and maybe we can be more specific when we set our panels and our topics. For example, if we're going to talk about cybersecurity, let's not talk about it in general terms, but what 10 things should you be doing in your organization? Something like that, so that we've actually got some concrete takeaways for everybody. In terms of format, I enjoyed the variety of different formats that we had, the mixture of panels and showcases. I think I'd like for us to continue to do that, but also look at how we can make it even more interactive. And it would be interesting to hear from the audience, maybe through the feedback to the conference, whether they would like more workshops, training, debates, demonstrations. And then finally, looking to the future, I think it is important that we join those dots together with the GASEP. If we're going to talk about the future, how does all this fit into the GASEP? And then maybe look at a vision for the future beyond where the GASEP goes. What does security look like in 20 years or more? Perhaps we could even run an innovation lab that runs in parallel with the conference. There are lots of ideas, but it would be great to hear the audience and the participants' feedback so that we can make it even better next year. Thank you very much. Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. And thank you for your obvious commitment to aviation security to the extent that you keep your eye opening, screening us at this very late time of the day. So thank you for being here till this very late time. And I'm going to have a very short intervention. At least I don't have to thank ICAO because I'm part of the secretariat. But I would join all the panelists to thank Silva and the team for organizing this event. Very quickly, I will focus only on two messages that I've been taking with me from this conference. The first point is that we cannot face the emerging and the current and the future challenges with the current mindset. We need to change the way of thinking about the aviation security. We need to be ahead of the game because the guys who are working against us is really very smart, and we need to be ahead of them. Also, the other
message that I got from here is the importance of capacity building. And I think this message has been across all the conferences, capacity building. And this is very important. And I want here to state that we need to have focus on those states who are underprivileged. Either they have political issues or financial issues, because aviation is not like any other industry. It's not a local business. It's not a regional business. It's a global business. If you think that you can have an aviation security between your borders, that's not correct, because your people and your fleet are touring the world. So if you don't guarantee global aviation security, you will not be secure. So investment in capacity building, especially for those underprivileged states, is really an essential part of each endeavor in aviation security. You cannot go without it. So I would ask the donor states here and the organizations and all the states to try to find ways to help other states who cannot find the resources to build their capacities, because without this, the aviation world will not be secure. How to make the next conference more attractive to you? I think it's an internal issue. I can talk with Sylvain, but I will leave it to the states that I'm accredited to, the mid-region states, to give us any feedback on how we improve the conference next time. And please do not hesitate to contact me or contact Sylvain if you need to see anything different in the next symposium. I will stop at that stage, and thank you very much. Thank you very much. Bonjour à tous. Je vais le faire en français, effectivement, puisqu'on me l'a demandé, suggéré gentiment, avec un grand plaisir, puisque à IATA, on est quand même obligé de parler en anglais. Mais je vais profiter de l'OACI et des installations. D'abord, pour remercier effectivement l'organisation, surtout que je connais personnellement l'équipe, et puis on sait ce que c'est d'organiser des conférences comme ça aussi à IATA, la difficulté, les challenges et le résultat. D'ailleurs, d'avoir encore cette salle, le nombre de personnes ici à la clôture est un signe de bonne santé de la conférence. Puis ça permet effectivement de rencontrer, de revoir beaucoup d'anciens collègues, anciens amis, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Et je crois que déjà, le travail de l'OACI dans cette notion de forum, ce côté justement un petit peu en marge de l'agenda, est quelque chose d'extrêmement important, surtout si on veut rencontrer les autorités. On a une conférence, comme vous le savez, mais peu d'autorités viennent nous voir, donc on vient vous voir dans ces conférences et on en est d'autant plus heureux. Donc merci pour le résultat. Je suis le dernier à passer, représentant une compagnie aérienne, et c'est toujours un plaisir puisque tout a été dit avant. Mais comme on le sait dans le monde aussi, quand tout n'a pas été parfaitement couvert, on demande aux compagnies aériennes de mettre des mesures additionnelles en place et donc de remplacer parfois certaines des déficiences qui ont été constatées. On m'avait demandé de juste essayer de noter un point qui me semblait important dans cette conférence, et en vérité, je voulais juste reprendre les résultats de l'application des sondages. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse avoir cette interaction à travers des questions. Et puis juste rappeler que 90% d'entre vous dans la salle ont dit que, premièrement, il fallait avoir un robust initial and continuous background checks, training, security awareness, including insider threats, donc la dimension humaine, les menaces, mais également que tous les États contractants devaient respecter l'annexe 17, les normes de l'annexe 17. J'espère que ce sera un objectif dans le GACEP, puisque 90% d'entre vous en êtes parfaitement d'accord. Et 90% aussi au total ont indiqué que si des déficiences étaient constatées, il fallait que l'OACI, malgré toute l'assistance, la formation, enfin tout ce qu'on a pu vouloir faire, il fallait que l'OACI mette en place un registre pour indiquer quels pays ne sont pas en conformité, ou notifier les autres États, ou informer le public. Et 70% des résultats également disaient qu'il est essentiel que cette information soit partagée afin que des mesures additionnelles soient mises en œuvre. Et là, je crois qu'en tant que compagnie aérienne, il est essentiel que ces points-là soient effectivement rectifiés. Si les bases normatives ne sont pas appliquées dans les pays ou dans les aéroports, à la fin, on demande aux compagnies aériennes de mettre en place des mesures additionnelles, pas forcément en complément, en substitution,
de choses qui auraient dû être faites, qui auraient été beaucoup mieux faites sur le terrain par les aéroports ou les autorités. Donc je suis heureux de voir 90% de l'assistance, où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies aériennes, indique ce constat-là. Et c'est pour nous, s'il n'y a qu'une seule chose à prendre, on prendra ça, parce qu'on espère qu'au-delà des mots, au-delà des votes, vous serez effectivement les vrais ambassadeurs de ce changement, cette motivation pour réellement mettre en place les choses pour lesquelles on était censé effectivement, c'était notre travail. If we have to believe in that, let's do it. L'amélioration pour le futur, peut-être plus, et je ne répète pas ce qui a été dit parce que tout a déjà été dit, mais peut-être proposer que des questions puissent être posées en avance à travers l'application par effectivement par vous-même, les participants. Avoir plus d'interactions définitivement. C'est frustrant, effectivement, de sentir d'avoir l'esprit de toutes ces connaissances, toutes ces expériences ou ces difficultés dans la salle, et puis, effectivement, de ne pas pouvoir partager ensemble. On partage à côté, dans les coffee breaks, on partage, mais pas ensemble. Je pense que dans la récurrence des assemblées tous les 3 ans, avec le comité exécutif, sûreté, où beaucoup dans la salle en font partie, avec le AFSEC panel qui se rencontre tous les ans, où beaucoup aussi dans la salle en font partie, ce symposium peut avoir une place de plus d'interactivité entre tous les acteurs, et peut-être donner des idées, donner des conseils, voire pousser les instances, panel ou autres, à prendre des actions qui vont dans le sens de finalement ce que vous demandez. C'est un format un peu plus informel, mais en même temps, on pourrait peut-être avoir plus de discussions techniques qui permettraient d'aller plus loin. C'est juste une proposition, mais je pense qu'effectivement, ça peut être un challenge important. Il y a d'autres... le positionnement de cette conférence aussi est intéressant. On a d'autres conférences, comme celle de IATA, comme vous le savez, où vous êtes cordialement invités, mais on pourrait phaser aussi les agendas, des discussions entre ce qui est discuté ici, peut-être tous les ans, tous les 18 mois, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait effectivement, nous aussi, discuter dans d'autres conférences, dans d'autres forats, avec une approche peut-être plus différente, opérationnelle, et revenir ici avec aussi un partage d'expérience, afin que toute la connaissance soit partagée. Voilà, donc... Sinon, merci encore de l'invitation. Désolé pour le dernier changement pour mon SVP. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous les panélistes. Effectivement, c'est des éléments importants qu'on a bien notés sur le retour d'expérience sur ces quelques jours, sur ces échanges, sur la voie à suivre. Et effectivement, je ne l'ai pas fait, mais je répète... Et IATA effectivement organise l'AFSEC World à Dubaï en novembre. Donc j'ai... Abu Dhabi en novembre. Donc allez-y, effectivement, c'est un moment important. L'approche est différente, les sujets sont différents, l'intérêt est comparable. Donc n'hésitez pas à faire le voyage chez nos amis de IATA. Et j'ai oublié de remercier l'équipe d'ACI World qui nous a effectivement beaucoup aidé dans l'organisation de ce symposium. Et donc merci Nina et merci à toute son équipe. Je vais maintenant vous lire le discours de clôture du président. Il faut que je mette mes lunettes. Et ça va être en anglais. Donc désolé pour mon accent. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to help close this very successful AFSEC 2017 event and to summarize with you some of the key outcomes and takeaways from your work. These outcomes will now be guiding our future efforts towards threat and risk mitigation in global aviation, as well as to address international terrorism and other forms of transborder crime. This event began with a series of workshops of tabletop exercise on topics ranging from long-standing aviation concern, airport landside security, to our latest challenges with cyber security. Later, you benefited from informative discussions on security culture, risk management, innovation,
aviation security oversight, and capacity building and assistance. All facets of the aviation network were represented by the experts we heard from, whether on stage or from the audience. One of the more important takeaways resulting from these workshops, Sky Talks, plenaries, and other activities, has been that our eyes have been opened to new possibilities in line with how we can now pursue our security objectives in innovative and exciting ways. It's also no coincidence that the topics we have covered are aligned so closely with the priority outcomes of the Global Aviation Security Plan, the GASEP. Many complex issues which we have grappled with for years were very helpfully explored here this week. And by including so many stakeholders and partners in these discussions, we have established the foundations for long-term cooperation towards solving them. Both the Global Aviation Security Plan and UN Security Council Resolution 2309/2016 prod us to action and at the same time ensure that we spare no effort as we pursue and implement the necessary changes. Despite every new threat report and innovation by those who would do us harm, I am confident that the resources we gathered this week and the courses of action agreed to have prepared us to respond efficiently and effectively. ICAO's thanks go out to all who contributed to this symposium, from the sponsors and exhibitors, to the speakers, to the many of you, both within and beyond ICAO, who have been involved in the months of preparation. But ultimately, it was a passion and thirst for information on behalf of all attendees which brought so much value to each session and interaction. The formal discussions in this room, the conversations at the exhibition, and the informal exchanges on the margins have all contributed to the success of AFSEC 2017. As we close this inaugural Global Aviation Security Symposium, ladies and gentlemen, I am pleased to recognize it for the great success which you have helped it to become. It is also my honor to recognize the important contribution on behalf of Airport Council International, which has been such a helpful and valued partner in this endeavor. As early as next week, we will begin the preparation for AFSEC 2018, when we'll be looking forward to you joining us here again. Thank you very much to all of you. Thank you, Sylvain, and thank you to your very special guests, all of you, thank you. It's time to say goodbye. We've thanked the organizers, we've thanked the speakers for their excellent presentations. I'd like once again to thank the sponsors for their support, obviously, but also for the wealth of knowledge and experience that they bring to this event. And especially thank all of you for having been here and made this event a success. Without you, it would not have been possible. So it's an invitation to come back here next year, end of October, early November, for AFSEC 2018. And on that note, have a safe trip home and see you soon. Goodbye. Yeah.